Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIII-2. Lors du dernier épisode, nous avons fait Academia. Et là, on va se diriger maintenant vers la tour Augusta en 200 après la chute. Augusta Tower is the central information processing facility of the Academy. The entire edifice is occupied by the machinery of an artificial intelligence that possesses unprecedented processing power. It also houses the Proto-Falci project, an ambitious plan to create a man-made Falci. Here too is recorded the forbidden history, although no human survives to remember it. Et allez, c'est parti. Places and eras that are connected somehow. Do you remember the forbidden history? The one Caius was talking about? I'll bet we'll find some clues here. 200 years ago, you learned the forbidden history, and were entombed in that tower as a consequence. Could this be the tower? First off, we need to find out exactly where we are. Okay, alors. Time to gather some info. And there's a terminal right here. Paradox effect detected. Emergency lockdown in progress. Let me guess. We just got locked in this room. Paradox effect detected. Emergency lockdown in progress. D'accord, donc ça va être la même chose sur tous les écrans. Ok, j'ai encore un écran. Thank you for accessing the Academy Datanet. Welcome to the Academy Datanet. Ok, ça c'est déverrouillé. The Proto-Falci project was begun in 13 AF under the direction of the Academy. The objective was to develop an artificial Falci in order to relevitate Cocoon. The project was proposed and designed by Alyssa Zeidel and directed by Hope Estime. Do you realize what this means? The Academia Falci must have been built by Hope. He needed the power to float Cocoon. Vanille and Fang, he did it all for them. But then Caius took control of the artificial Falci. And now we need to find out why. Outer perimeter now accessible. Ok, on a accès maintenant au périmètre extérieur. Alors, il va falloir trouver le bon terminal. Ici, il y a un trésor. Deux remèdes, ok. Can I ask you a stupid question? Is it just me or can you see all these people around us as well? Yeah, I can see them. Why did you think I couldn't? That they have no presence, like they're not alive. Hello. I know what you mean. I was thinking the same thing. Paradox effect detected. Emergency lockdown in progress. D'accord, donc pas celui-là. Thank you for accessing the Academy Datanet. Welcome to the Academy Datanet. Le code secret. Au hasard. This is a Datanet security alert.
2. Alors, on en essaye un autre. Alors, on a encore deux codes. Forcément, ça va être le dernier. Alors, il en reste que un, donc normalement ça devrait être celui-là. Welcome. You have access to the Academy Datanet. Hopeful? Was that us? From before? This machine can show different eras. He might have been watching us from here the whole time. Do you mean Caius? If that's who he really was, the Caius we met in Academia seemed different to me. I don't think he was the real Caius. How could you tell? We used to spend a lot of time together. We were both guardians. Warriors who were charged with protecting the Cirrus, although I was young back then, just starting out. Anyway, he took off, left me and Yuel on our own. I couldn't protect her, not by myself. Then, when it was just me left, a portal appeared. I went through it, and next thing I knew, I was in Valhalla. You met them there, didn't you? My sister, and Caius. I don't know why I keep running into him wherever I go. But I do know he wouldn't sacrifice the Cirrus. It's not in him. There's no way he'd allow Yuel to come to harm. Well, we've got to find him. Yuel brought us here, and we have to help. Yeah. Not again. It's so frustrating. What's wrong? I'm missing some of my memories. I'm trying to think about what happened after Caius left us, but I can't remember how Yuel died. But I remember her face. I remember it like it was yesterday. All areas now accessible. Ok, on a gagné un plan de la tour. Super. On va partir vers le centre du coup. Alors, c'est accessible mais pas par là. D'accord. Alors j'ai un truc ici à récupérer.
Un artefact primitif, très bien. Allez, on va suivre Caius. There he is. Now we grab him and find out if he's the real deal. We have to be careful. This could be a trap. There must be some way we can get across. Why don't we just try this? The circuits are tangled with another age, Kupo. It's being jammed by a paradox. Maybe we can fix it with a key from another time. Alors, un problème technique vous empêche d'explorer la tour Augusta. Pour résoudre le paradoxe qui a causé ce dysfonctionnement, vous aurez besoin d'une carte d'accès. Vous trouverez cet objet dans une autre époque. Retournez au cœur de l'histoire et cherchez un point espace-temps contenant un portail de cristal encore verrouillé. Celui-ci s'ouvrira à l'aide d'un artefact primitif. D'accord, alors, retour au cœur de l'histoire du coup. J'ai l'artefact primitif, je vais trouver. Peut-être sur Academia éventuellement, ça semblerait assez logique vu qu'on est dans ce chapitre là. Là j'avoue que je vais un peu au hasard, hein. Je ne sais pas trop où aller. Il y a un autre portail normalement ici, d'après ce que je vois. Il faut juste que j'arrive à le trouver. Alors. Est-ce que je sais où il est déjà? Non, j'ai encore toute une section qui est verrouillée, donc je suis pas sûr que ce soit réellement par là. Non, je retourne au cœur de l'histoire. Je vais vérifier de tout avoir visité là par là. J'avoue, je ne sais pas trop comment aller plus. Alors, je vais juste vérifier de tout avoir pris, parce que là, j'avoue que je ne sais pas trop par où aller. Je peux aller nulle part ailleurs.
Là, pareil, je peux pas accéder non plus. Donc, ok, c'est pas là. On est sûr. Enfin, maintenant, je suis sûr que c'est pas là. Donc, va falloir que je cherche. Ça, ça peut être très long, très vite, très long. Alors. Ah, puis on s'est jamais déplacé dans cette zone-là. J'ai aucune idée de comment déplacer, alors je vous avouerai que là je vais aller regarder la solution. Alors, a priori, ça se passe dans les monts Yasha. Voilà. Ok, les monts Yasha. Il va falloir aller à l'ouest du col Padra. Alors, les monts Yasha. Vous avouerez que j'ai regardé par où il fallait passer. Ça doit être celui-là. Alors moi on m'indique de partir vers l'ouest. Ok. Tiens, il y a un cube ici que j'avais pas chopé. Un cristal d'ivoire. Ceux qui m'ont eu. Allez, d'abord le Gadaïak. Allez, un de moi. Okay. Ah ouais, c'est celui-là, d'accord. Allez, ça va, on n'a pas eu trop de temps à le trouver. Mais c'est bien parce que j'ai regardé la solution. Allez, du coup, on a accès à la tour Augusta en 300. Bah ça, on ira demain. Et éventuellement, on va aller voir Fortuna. Un petit peu vite fait, j'ai un petit peu de temps, puis demain on ira du côté de la tour Augusta en 300. Minstrels of old sang of a secret place, a place that hid on the border between life and death, between oblivion and eternity.
In that mythical niche could be found a palace of wondrous entertainment. It was a fantastical Neverland, with a staff of surpassing beauty, and a proprietor who was more than human. Only those blessed by Lady Luck would ever stumble through its legendary doors. And now, as if plucked from a children's storybook, that very palace looms invitingly before Sarah and Noel. Je veux juste voir à quoi ça ressemble le casino. Donc, je suppose qu'il va y avoir des mini-jeux. This place. Cooper, I don't think it's a theme park. Maybe a casino? But I've never seen anything like it before. Well, I guess it's worth taking a look. About gambling or placing bets. All the better. You've heard of beginner's luck, haven't you? To play the games, you'll need to purchase some casino coins from the exchange desk. Go, enjoy! Alors, vous souhaitez oublier le passage du temps? Visitez les salles de jeux de Fortuna, le casino situé aux frontières de l'éternité. Dans cet établissement, toutes les mises s'effectuent en jetons de casino. Quand vous en aurez amassé suffisamment, vous pourrez les échanger contre divers prix. On ne trouve nulle part ailleurs. Pensez à vous arrêter au guichet lors de votre première visite et acheter des jetons avec vos guides. On a gagné un coupon de casino. Mog est parti jouer, d'accord. Rendez-vous au comptoir d'échange. Alors, où est-ce qu'il est ce comptoir? On a gagné le masque de Lightning. My dear travelers of time, I see you have in your possession some fragments. Do you know their power? Well, we're not exactly sure what they do. Those fragments are remnants of a time past. The goddess's will is that they fall into the hands of those with the purest of hearts. So, are they something we're supposed to have, or...? You too are their rightful bearers. You will find more as you continue your journey in the outside world. Come back and present them to me, and I shall grant you a humble gift. Alors, Mystique et les fragments. Une fois que vous aurez obtenu suffisamment de fragments, rendez visite à Mystique. Grâce au pouvoir de la déesse, elle éveillera peut-être en vous de nouveaux pouvoirs, les privilèges. Mystique vous attendra à Fortuna. This must be the goddess's will. Please, let time, the world, escape the nightmare it faces. On a acquis le privilège super sens de Mug. Mug. Lancer Mog n'a jamais été aussi intéressant. Même si vous ne voyez aucun trésor, essayez de lancer Mog au hasard. Il ne reviendra peut-être pas les mains vides. Hein, pour bénéficier de cette compétence, ouvrez le menu principal, sélectionnez privilège. On a acquis le privilège Esprit Vendeur. Une fois que vous aurez obtenu suffisamment de fragments, rendez visite à Mystique. Grâce au pouvoir de la déesse, elle éveillera peut-être de nouveaux privilèges. Vous connaîtrez les effets d'un privilège qu'après l'avoir débloqué. Appuyez sur E pour ouvrir le menu principal et sélectionnez Privilèges pour personnaliser vos pouvoirs.
Alors, on a donc privilège. Obtenir de meilleurs prix de rachat dans les magasins. Découvrir des trésors invisibles grâce à Mug. Ok, on en a obtenu deux. Eh ben, on va skipper de celui-là. On sera pas mis pour rien, moi. Welcome, guys. Serendipity is the most fantastic place you'll ever visit in your life. Alors, c'est peut-être là, du coup. Whatever you need. Do you have any questions on how to play any of the games? Ah, c'est les machines à sous. Alors, pour jouer, glissez-vous dans un airbike. Table mode automatique, série de jetons. Si les symboles alignés sur les roues forment des combinaisons gagnantes indiquées en haut de la machine, vous recevrez un nombre de jetons correspondant. Parfois, les rouleaux ou les symboles clignotent. Cela signifie, en général, que vous êtes sur le point d'obtenir une combinaison gagnante. Les machines à sous sont capricieuses. Parlez aux croupiers pour connaître leur humeur du moment. You'll need to purchase casino coins in order to play the slot machines. I'm on a roll! The machines have good days and bad days. How well you do depends on their mood. Talk to me if you want to know the condition of any of the machines we have here. Machines on fire. So far, so good. All right. Alors, il faut vraiment que je trouve où est-ce qu'on peut lâcher. Peut-être là. Welcome. This is where you can exchange your coins. In order to play the games at the casino, first you'll need to purchase casino coins here. Once you've won yourself more casino coins, you can come back and trade them in for prizes. Stop by any time to check out our exciting selection of wonderful and useful prizes. On va acheter des jetons, du coup. On a acheté une dizaine, ça coûte 100 guilds. C'est juste pour essayer. Ah oui, du coup j'en avais. Ah oui, il y a des choses qui valent cher. Alors, elle a dit que celle-ci était on fire. Alors, souhaitez-vous les expliquer? Non, c'est bon. Je suppose. D'accord, donc elle refait la même chose. Et je comprends pas trop pour l'instant comment je peux gagner quelque chose. Je croyais qu'elle était en feu normalement.
Bon allez, on va sortir d'ici. Mince, j'ai avancé un truc sans faire exprès. Ah zut. Je vais chercher la touche en fait pour sortir de ce bar. Oui, arrêtez. Ok, bon, c'est pas terrible. Allez, c'est pas grave. Bon, on va retourner au cœur de l'histoire. C'est juste pour voir un petit peu à quoi ressemblait le casino. Bien, et puis du coup, on va s'arrêter là, nous, pour aujourd'hui. La prochaine fois, eh ben, on ira à la tour d'Augusta 100 ans plus tard. J'espère en tout cas que cet épisode, même s'il était un petit peu court, la partie histoire vous aura plu quand même. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.